Envoyez-le à What the Fuck Moment. C'est très marrant. Je trouve que tout est bon en plus parce que je le dis, je fais attention, ça va arriver. Je fais attention. Ah, le croc-croc, ah, le croc-croc, il arrive. C'est la BlizzCon. Ah oui, ça devait être la phase. Ça devait être les phases de groupe du coup. Ça devait être les phases de groupe. Hello! Le mec il fait le malin, James gêne Raynor. Bah oui, non mais je vais jouer Raynor quoi, c'est ça que je dis. Tu peux dire juste Jimmy. En vrai, Andy Lendy, je l'ai en ami. Ah, je l'ai pas en ami, putain. Putain, c'est dommage qu'on puisse pas... Ça, j'aimerais qu'il rajoute aussi. Hein. Mais de toute façon, pour moi, cette interface-là, ils doivent absolument la modifier. Le mode clan, déjà, faire un mode clan, machin. Mais c'est con, mais par exemple, vous voyez, Andy Lendy, je l'ai pas en ami. Et on se tape une barre, franchement. La game d'avant, on perd, mais au moins, on perd dans la bonne humeur. Genre, le mec, comme joue Raynor, il joue Kerrigan, et il est en mode... Jimmy. Ça. Et je l'ai pas en ami, putain. Je viens de me rendre compte que je l'ai pas en ami. J'ai demandé à Unstable, je pense qu'il l'a. Parce que j'avais envie de le... Tu as encore le toxique de tout à l'heure, ouais, je sais. C'est pas grave. Enfin, il est pas mauvais en fait. C'est ça que vous voyez en fait, le problème, c'est qu'il y a des joueurs, ils sont vraiment pas mauvais. C'est juste qu'ils sont toxiques. Et vous voyez, bon bah voilà, il est déjà en train de flame. Bon, moi je les mute donc je le vois pas. Just ignore. Notre heure est venue. Voilà, faut vouloir jouer. Au pire, il faudrait qu'il fixe une distance limite au dash. Ah, il y en a certains, il y a une limite. Par exemple, Varian, je sais qu'il y a une limite. Parce que ça m'arrive très souvent. Après, tous les autres ont l'air vraiment cool. Enfin, il n'y a pas de. Tout le monde dit aïe, machin, je vais remplir. Ça a l'air sympa, ça a l'air cordial. Ça a l'air cordial. Alchimie qui joue Greymane, c'est pas mal. Hein. Oh là là là, quel toxique quoi. Ça c'est vraiment toxique. Pareil pour l'action. Ah bah d'accord. Comme quoi il y en a un de chaque côté. Bon, je reprends Steam Pack pour le principe ou je joue sérieusement. On va attendre l'épique allemand peut-être. Déjà t'as Greymane Nova, donc je pense que honnêtement Medivac serait pas mal. Tout dépend de toi, je pense que fais-toi un test jusqu'au niveau 10 si t'es bien ou pas quoi. Parce qu'en vrai, le Steam sur Artani c'est fort, sur moi c'est fort. Seule la victoire porte. C'est à toi de voir aussi si la game se passe bien ou pas, tu vois. C'est quand tu veux. Il a mis LFT dans son pseudo, il a pas compris que ça ne suffit pas pour trouver une team. Non, mais c'est un troll parce qu'en fait, il y a Timeless X LFT. C'est un joueur de ladder qui s'est fait pas mal insulter parce que c'est un joueur très bon mécaniquement mais qui parle pas. Et qui fait un peu n'importe quoi parfois. Parce qu'il est très bon mécaniquement, mais il a aucune vision de jeu. Mais genre, mécaniquement, c'est un putain de god, hein, par contre, hein, vraiment. Mais il parle pas, du coup, il passe un peu pour un autiste parce qu'il parle pas et il fait n'importe quoi des fois parce qu'il a pas de vision de jeu. Il y a une certaine rumeur qui veut qu'il soit chinois, ça me ferait rire. Je sais pas, il paraît qu'il est reparti en Chine. C'est ce qu'on me dit. Après, des fois, les rumeurs de mecs de solo queue qui disent que le mec d'en face, machin. Enfin, si t'écoutes ça, il y a Cypher, il est russe, il y en a d'autres, il est machin. C'est. Mais bon, c'est du 720 clip. Ah, je me disais que c'était dégueulasse aussi. Mais je suis pas en 720, je suis en 1080 moi. C'est que j'ai pas réglé le truc. Oui, je suis en 1080. Mais du coup, c'est Timeless, c'est pas une rumeur. Il est vraiment chinois, d'accord, ok. Bah, Timeless XLFT, du coup, il a un peu marqué le truc. Et il y en a plein qui s'étaient rename en mettant truc XLFT. Et lui, voilà, il s'est appelé Useless XLFT. Donc son comportement traduit son pseudo, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très toxique, voilà. Il s'est probablement embrouillé, parce qu'en plus il y avait une mod, c'était de Flame Timeless en fait. Il y avait une mod, c'était Flame Timeless. Et voilà, il y en a, ils rename carrément pour être toxique, voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça, il y avait eu Chrisless XLFT. Je crois même que Mene avait mis Mene X LFT sur son deuxième compte, je crois. Il est GM sur le serveur chinois. Non, mais en vrai, c'est horrible parce que si Timeless est vraiment chinois,
c'est tellement le stéréotype du joueur chinois, quoi. Un putain de dieu mécaniquement et aucune vision de jeu. Mais les Chinois sont très bons en vision de jeu quand même, mais... Timeless, c'est un étudiant chinois en Europe. D'accord, donc c'était pas une blague, ok. XXX LFT. Ouais, Méné avait fait un truc comme ça, je crois, aussi. Mais ça, c'est pas méchant, c'est de l'humour, tu vois. C'est parce que, voilà, c'est... Alors que lui, c'est, voilà, useless. Il met un mot toxique devant, tu vois. C'est typiquement, quoi. Enfin, bon, on s'en fout. Le nom du mec. Tu veux dire le nom du joueur, Timeless? Je sais pas du tout, hein, son nom. Je sais pas du tout. Mais après, les joueurs chinois, je connais pas trop leur nom. Souvent, c'est des mots compliqués. Tu vois, genre Xingxie, par exemple. Je pourrais pas te dire. Et pourtant, c'est mon joueur chinois préféré que Tao, je pense. Et je peux pas te donner le nom, en fait. Je connais pas. Il est GM6 en Chine, putain. LFT, ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire looking for team. C'est-à-dire je cherche une équipe. Et le X, c'est X. Voilà, c'est X Dark Sasuke. Again, cosplay to Injustice in Master League. Hey! Hey Andy, I didn't I wanted to speak to you, but I didn't have your B tag, so I'm sad because I thought we were friends, but not. But you did well. I really want to play again with you. It was really cool. I was like Sarah. It was fun. Even in defeat, it's fun. Oh, pop. Je prends cher. On va arrêter. Sans doute Xiaoping. Ça, c'est pas du tout raciste du jeu comme phrase. And a pleasure to play with you, Andy. And do you will cast the Nexus games? I didn't see you. With Cooper, maybe? Like in Duocast, Cooper and you, I guess. Comment tu joueras quand tu auras le vocal, Malga? Les mecs, enfin, comme maintenant, quoi, les mecs toxiques, je les mute et les autres, bon, on parlera. Tu vois, genre avec Andy, on pourra parler, ça sera trop stylé. Allez, Jimmy! C'est pas mal ce qu'il fait par contre, ça. Il veut vider les munitions, c'est pas con. Profitons-en pendant qu'il peut le faire encore. Tu parles à qui? Je parle à Andy Lendy. Android P, c'est Andy Lendy. Ah, Nova, bien vu de la part de notre Artanis. Donc je prends cher, hein. Ouais, on va le faire reculer avec un petit Q-spell. Il stream Timeless? Non, je crois pas. Ah, je pensais l'avoir touché, mais pas du tout. Oh, il l'a pas chopé. Fallait limite toucher Shohana. Parce que vous allez me dire, oui, mais la Galva, Malga. Mais c'est pas grave, en fait. Genre, soit elle est surprise, soit elle l'active et c'est pas grave. Ça lui permet de gap close, en fait. C'est le clone. Wouhou. Faut quand même que je fasse attention à Nova, on va reculer, on va respecter le pic Nova. On va reculer, toc. Le stream pas, il a pas le temps. Ouais, si c'est un étudiant plus le nombre de games qu'il fait, je peux comprendre. Alors je voulais prendre le point. Et c'est vrai que j'ai, du coup je l'ai peut-être sauvé. Ah, je l'ai sauvé. My bad. Je pensais qu'elle avait la Galva encore et je voulais l'économiser. Ah, c'était pas con. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Si la porte tombe et qu'il y a un mec derrière, il la grappe. C'est une strat simple, hein, sur un hooker, mais je me rapproche pour qu'il puisse dash. C'est une strat simple et c'est bien joué. C'est beau ce stream hommage, tu es quelqu'un de bien. Mais merci. D'ailleurs, j'espère qu'ils changeront pas comme pour Blackheart le doublage français. Hein, ce serait tellement insupportable, quoi. Oh, bien joué, y'a personne, ah, dommage. J'aurais fait le tour plus vite, j'aurais été là.
Enfin, j'allais le Q-spell, mais j'étais silence. Ridicule. What? On a entendu, c'était bizarre. Perso, j'ai hâte du vocal in-game. Moi, j'attends le vocal en vrai. Hein. Vocal est une bonne chose, hein. Une très bonne chose. Hein. J'aurais peut-être dû attendre le globe. Oula, 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 oula. Joyeux. Oh mon Q-spell. Oh, c'était dégueulasse. J'ai pas envie de m'exiler. Vas-y Kara, je te laisse tanker. Voilà, j'ai fait faire de la merde. Je pense qu'on peut prendre les tours. Hein. Je sais pas où ils vont. Ok, non, ils sont là. C'est chiant que le vocal, c'est faudra faire un effort en anglais. Faut que je le débloque. Je veux juste voir ses ping, mais pas ses. Pas son chat. Ah, je suis con. Ah, c'est chiant ça, le vocal, le micro. Micro qui déconne, on va dire. Voilà, on le tag. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure, mais. Il avait plus de PV donc on aurait pu le tuer. Je pensais qu'il avait la galva tout à l'heure, vraiment. Il y a Nazibo. Ah ouais, Nazibo qui est hors de pause. Ah mais je pense pas. Cœur. Cœur. Vous avez bien combattu aujourd'hui. Bien joué ça. Oh le body block. Ah il body block aussi. En vrai la vitesse d'attaque pour Karazim Karazim et Artanis c'est vraiment fort. Hein. J'aimerais juste de la couverture, j'aime pas faire ça. En vrai j'aime pas faire ça tout seul. Je suis peur, je suis un petit Raynor, je suis un petit Jimmy, je suis très fragile moi. Moi aussi j'attends le vocal étant joueur CSGO. Même si je sens qu'il va y avoir du Darrow de Sandstorm qui va vous grésiller dans les oreilles. Mais à ce moment là tu mutes hein. Comme sur CSGO, comme sur tous les jeux. Hein. J'étais le premier à dire ouais je suis pas fan, il y aura beaucoup de toxiques et tout. Et Saem m'a dit bah tu les mutes. Et j'ai fait ah oui. Mais c'est débile comme phrase. Les Russes en vocal. Bah par exemple, moi je vendrais ma mère hein, pour avoir Andy Lendy en vocal. Je rate mon Q-spell, ça m'énerve. Enfin, je t'échange, enfin vraiment, genre, à faut arrêter avec les Russes, vraiment, genre. Enfin, Andy Lendy, vous avez vu, le joueur, il joue très très bien, Unstable, c'est un Russe, enfin arrêtez avec vos préjugés de merde, vraiment, ça m'énerve, hein, ça me fait tilt ça. Tu montes les talents à la fin, ouais, je vais pas oublier cette fois, je vais essayer. Enfin, je dis ça, mais je vais peut-être oublier quand même. Ah, il est mort. Dommage. Ouais, mort de merde par contre là. Hein. On avait le 100%, c'était ridicule. Un peu dommage. Par contre, on perd l'XP. Ouais, il part la Stitches. On en repose un peu là. Ah, il est tout seul. Mais pourquoi par contre? Ok, ça va aller. Là il avait flemme, hein. Il était tout seul et personne l'a suivi quoi. Moi j'ai essayé hein. Ah putain. Bon par contre le rayon, j'aurais aimé un peu de protection. C'est fort grenouille hein, c'est fort grenouille hein. Regardez, il m'a touché double fois là. Non, t'en fais trop mec, t'en fais trop je pense. Je pense que t'en fais trop là. Claire, ouais, clairement Claire.
Prends le club par contre. Toi, prends pas le club, salaud. Recule, 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 recule. Ça, ça sert à rien ce que tu fais. C'est ça, s'il écrit pas. S'il écrit. Déjà, y a, quand c'est un mec qui écrit en cyrillique, ça peut être n'importe quoi. Enfin, ça peut être n'importe quoi de, des pays de l'Est. Et en plus de ça, s'il écrit en anglais, comment tu sais qu'il est russe? Tiens, moi là. Bon, à part j'ai dit c'était en fringe stream, machin, etc. Mais si t'enlèves ça, comment tu sais que je suis français en fait? Genre, tu sais pas. Et pourtant, des français, il y en a des toxiques qui vont dire TGFDP, machin. Tu le sais pas. Pourquoi il veut fight là? Pourquoi il veut fight? Ouais, je sais pas si c'était une bonne idée le. Ah, nice. Ah, nice, ça c'est bien parce qu'il reste dans l'Hyperion du coup. Ok, bon, il a voulu trop en faire l'autre, Maltael. Un seul kill nous suffisait. Ok. Je dois reculer. Bon, la fontaine c'était con, j'aurais du bac. Allez, fontaine. C'est fort contre les cacs. Non, ça non, peut-être, c'est peut-être un peu dangereux mon call. Ouais, c'est un peu dangereux. Ouais, c'est dangereux. Ouais. Après, on est 5v4, c'est quand même dommage qu'on conteste pas. Almon et Maltael auraient dû venir avec nous. On est 5v4, profitons-en, on s'en bat les couilles d'un deuxième golem. Ce qu'il faut, c'est aller jouer le, à jouer le truc. Mon ping est bon, l'exécution est mauvaise quoi. Ah, bien joué la Nova, très bien joué. Elle a mis le clone pour protéger du hook, très très bien joué. Là, je connais pas hard CC. Non, t'empales pas, ça sert à rien. Yep. On va aller chercher le T1 à la main. Go go ça. Ah ouais, en vrai, non, c'est pas bon comme pull. On devrait les fight. Ils ont le très. Bon, ils ont le 13 maintenant donc. Nous devons nous emparer de cette tour. Okay. Pas obligé hein. Voilà, le petit E sur le burst. Sur un Nova. Carnova. Ça fait deux au tapis. Affirmatif. Je vais rester avec lui. Voilà. On va rester avec lui. Un petit cadeau. Je vais tanker un peu. Merde, j'ai mis le Z dans le vide. Faut pas mourir maintenant là, ce serait terrible. Prends des risques là, on a rien à faire là, en vrai, on a rien à faire là. Prends des risques. Bon, je m'avance pour qu'il dash, mais on prend des risques à la con là, vraiment. Voilà ça, niveau 16 et puis basta. Il a failli décrocher la lune avec son truc. Ah non, non, non. Non, Artanis, non. Le 16, Artanis, le 16. J'ai pas ping, j'aurais dû ping en plus. Je me suis dit l'autre l'a dit, c'est bon tu vois. On va faire ça parce que sinon
J'ai pas mon anti-burst, ça va faire mal, ok. Lui il leur oppose là. Allez là Nova, elle est dans le coin. Il l'a vu. Ouais il l'a vu. Je l'avais vu aussi, hein. Je savais qu'elle était dans le coin. J'ai cru qu'elle voulait me tuer, j'ai du coup j'ai E direct. Vas-y bon hein, ouais. Massacré. Ok non il prend. Que ça, ouais. Profitez de notre avantage, on est en supériorité numérique. On le tuera pas, on le tuera pas, on le tuera pas, ne fais pas le connerie. C'est inutile ça, inutile. Allez, une auto, voilà, nice. Bon, j'avais casse mon Hyperion avant et malheureusement et le truc, ça c'est chiant par contre. Ça c'est un truc qui est chiant que j'ai découvert avec ETC. Ah merde. On va back là pour pas que Nova me chope. Parce que je pense qu'elle me poursuit. Elle a raison. Dans le doute, je peux back. Voilà, on va faire ça. Toxique, mais il joue bien. Mais c'est souvent le problème en fait. Après. Et c'est le problème de Stello en fait. C'est qu'ils sont tous pas mauvais et du coup, ils sont encore moins patients en fait des erreurs de chacun. Alors que tout le monde fait des erreurs, même lui il en a fait une. Tout à l'heure il a overextend, ça arrive, voilà bon. Va falloir assurer. Journée s'il le faut. Faut qu'on reste ensemble. Pas qu'on se split, on est split. On est split. Pourquoi il fait ça? On s'est split. Du moment que ça marche. Tuez cet adversaire, vite. Ouais, ça c'est un bon call, essayer de le tuer. Profiter du 5VK, enfin profiter de. Faut qu'on prenne, faut qu'on empêche le 100% de rien. Pas faire plus, ça serait greedy, ouais, ça serait greedy de faire plus. Qu'est-ce qu'il fait Artanis, mais please. J'aurais du ping, mais bon. Faut faire ça. Est-ce qu'on irait pas si tuer le Nazibo? Il est tellement tanky ce bâtard. Explosez-leur la tronche. On essaye de le tuer ou pas?
reviennent à la vie. Du moment que ça marche. On va essayer, je pense. Ouais. Chargé. J'aurais dû le faire avant pour pas qu'il prenne la fontaine. Ça va le faire. Un golem faible. Récoltez davantage de crâne et en. Ça nous flanque la mort là. Là mon Q-spell était génial par contre. Pas assez malheureusement. Oh bien joué la Galva. J'ai pas assez parlé, vraiment. C'est pas perdu mais ça risque d'être chaud. J'ai pas pu le finir, putain! Je me suis arrêté quoi, bordel de cul! J'ai fait 2 kills, bordel, 2 kills! J'ai fait le bon taf, j'ai pris le bon fight! Non, non! Ah, oh, j'avais la game en main! Putain! J'aurais pu sauver la game. C'était compliqué, mais j'aurais pu sauver la game. Ah, je suis au fond! Je crois que j'ai tapé le boss en fait à la fin. Je crois que c'est parce que il s'est arrêté mon perso et je crois que j'ai tapé le. Je crois que j'ai tapé le boss en fait. Tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, je pense au talent bien vu de l'avoir redit. Tu étais blind. Ah peut-être, peut-être. Ah bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Tu étais blind. Ah ok. Bon bah c'est. Je me suis dit putain pourquoi j'ai pas auto-attaque. Mais en fait elle est partie. D'accord, ok. T'es blind, ok. Ok, ok, bon bah ça me va alors. Ça va, je pouvais pas faire plus sur Steam Fight. Bah en vrai si j'aurais pu. Il y a un moment donné j'ai trop focus l'autre Joe. Et concrètement, concrètement je pense que le moment en fait où on perd la game, bah c'est le moment où Maltel et Butcher et Stitches se suicident. Je ping au début et j'aurais dû prendre mes responsabilités là et la game ont gagné je pense. Alors, tireur de vétéran, attaque concentrée, repli tactique, Hyperion. Tireur de géant, exécuteur, parce que bah on a. J'ai même pas vu le Maltel, mais il y a Maltel. On a le balafré, de toute façon, voilà. Puis il y a Artanis, donc voilà, c'était parfait. Mais rien que le balafré, Bill Putride, me justifier l'exécuteur. Tu aurais pu dodge le blind. C'est dur quand même, hein. C'est quand même dur. Et en stat, ouais, j'ai 54 000 de dégâts. Déçu, déçu, déçu. Mais bon, c'est pas grave. On va faire une pause. Tu penses quoi des Banshees? C'est de la merde. Voilà. C'est dit. Raynor n'a qu'un ultime. Les Banshees, c'est bien à Baello quand les mecs ils tapent pas les Banshees en fait. Mais le truc, c'est qu'à Baello, l'Hyperion, les gens ils restent dans l'Hyperion donc c'est mieux. Pourquoi c'est level 7? Bah, parce qu'en fait, c'est le truc qui te permet de te sauver. Tu l'actives. Tu l'actives, les mecs ils veulent te rentrer. Tu vois, genre il y avait Nova, il y avait Greymane. Le mec me rentre dedans, j'appuie sur le E, j'anticipe les dégâts. En fait, il faut savoir que le E, si vous. Mais de toute façon, ce talent il devrait être de base. Hein. J'espère que dans un rework Raynor, le talent 7 de Raynor il sera de base. Hein. Parce que, en fait, quand t'actives. Parce que à l'heure actuelle, Raynor n'a que 2 compétences hein, quand même. Et encore, le Z c'est inactivable, hein, donc c'est presque comme s'il n'y avait qu'une compétence. Et je crois que Chris, pour être méchant, il dit qu'il y a qu'une seule. Il a, que Raynor c'est un perso avec un seul sort. C'est embêtant. Mais du coup, le E, en fait, et moi quand il y aura rework Raynor, je le joue tout le temps. Hein. Raynor, je kiffe en vrai. Hein. Mais Raynor, là, le, en fait, t'appuies sur le E. Déjà, c'est skillé, donc c'est bien. Tu mets du skill sur un perso qui a un skill cap pas forcément très haut. Mais en fait, combien de fois ça m'a sauvé la vie dans la game en fait. Je l'ai dit, même je vous ai dit à un moment donné, voilà pourquoi je prends le E. Genre, Greymane me rentre dedans, Nova me rentre dedans, j'appuie sur E, bim, j'absorbe 25% d'armure, bim, j'absorbe tout de suite une partie des dégâts. Et en plus, le passif s'active en dessous d'un certain seuil de PV. Donc à peu près à 25% de vos PV, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. On va le dire de manière numérique, de manière exacte.
What? Ah oui, c'est à la une, c'est pour ça. Je crois que c'est 25, mais je suis pas sûr. C'est peut-être 30. Non. 30, ok, c'était 30. Du coup, en fait, 30, le problème c'est quand vous tombez à 30% de vos PV, ça s'active. Le truc c'est que c'est heal. En fait, ça remonte comme ça. Le problème c'est quand tu tombes à 30% de PV, la première tick, parfois elle est très souvent trop tard en fait. Si tu as le contrôle dessus et que tu actives genre à 50% ou à 60%, ça va faire tampon en fait sur les dégâts et ça va te sauver. Combien de fois ça m'a sauvé en fait? Chris dit surtout que Raynor est pas un perso. Ouais, mais après. Je sais plus qui disait que Raynor, le problème c'est que c'est un perso qui a une seule compétence. Je crois que c'est. Je sais plus qui disait ça. Mais Blizzard fait une refonte de Raynor en hommage à Patrick Béthune, please. Mais le rework Raynor est annoncé depuis un moment. Les devs en ont déjà parlé. Et honnêtement, de ce que j'ai vu dans The Zoo, ça annonce déjà que Blizzard a compris comment rework leurs auto-attaqueurs. Donc ça augure du positif pour Raynor, je pense. Du coup, moi j'ai envie d'aller aux toilettes. On va se faire 5 minutes de pause et on se retrouve juste après pour la suite. Je suis un peu déçu. Cette game, vous voyez, c'est con, mais cette game, tout le monde pourrait dire oui, c'est de la faute du Maltei, il a feed. Oui, c'est de la faute du Artanis, il a feed. Oui, oui, ils ont pas aidé à gagner la game. Maintenant, moi, j'aurais pu mieux faire et j'aurais pu gagner cette game. Voilà. Et je m'en veux le moment. Je m'en veux le moment où je les ai laissés et que j'ai vu ce moment où il y en a deux qui rentrent dans la mine, trois machins. Le moment où Maltel est rentré, on aurait tous rentré dans la mine ou sinon lui reculer. Et. Mais non, mais la faute est partagée. Si je prends les commandes et qu'on suit genre le Maltel ou quoi que ce soit, on se fait pas catch en fait, tout simplement. C'est le seul truc qui nous fait perdre. Et c'est dommage, mais voilà. C'est. Ça joue à pas grand chose et c'est ça. 5 minutes de pause, on se retrouve juste après, à tout de suite.